Trois choses. D'abord, la différence, c'est qu'un DMP est tourné vers les outils digitaux. Et donc, le principe d'intercommunicabilité du DMP avec les outils est primordial. Secondement, compte tenu de volumétrie des données qui est colossale, ça nécessite d'adopter de nouvelles technologies, notamment les technologies Big Data, le stack Hadoop de notoriété publique en faisant partie. Et troisièmement, la DMP a vocation à s'adresser à tous les métiers de l'entreprise, pas seulement aux équipes SI, aux équipes CRM, mais aussi à des responsables d'acquisition, à des responsables métiers, et également à une population très importante qu'on appelle les data scientists, qui sont des stateux et qui demain iront se connecter à ces plateformes. Dans les prochaines années, le vrai challenge pour la plupart des entreprises, c'est l'exploitation des réseaux sociaux, Twitter, Facebook et j'en passe. Il y a une masse d'informations, comme le disait Antoine, qui circulent. C'est trouver la source, l'information qui est pertinente de celle qui ne l'est pas. Parce qu'on a vite fait de se noyer, de perdre beaucoup de temps et d'argent si on cherche à tout exploiter parce qu'il y a beaucoup de bruit. On va dire ça comme ça. Et c'est trouver la pépite qui va faire la différence lors de l'exploitation qu'on en fera.